Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est lundi 22 janvier 2024. Bienvenue dans la première édition Journal Créole. Nous, pour jeudi, de concert en collaboration avec VOA Créole. Actualité à sous plan national, jeudi, yon énième journée mobilisation contre le gouvernement Ariel Henry dans plusieurs départements. Tankou, Miragouane, Tigouave, Okaï, Léogane, Jérémy, ensemble avec Wanamet et sans oublier Gonaïve. En dedans, Wanamet, bagala te compliqué, plusieurs moun en souti pour manifester et pour mander pour que le gouvernement Ariel Henry lui-même lui capable et bien racheter mon clibaté à blanche. Je tiens à ce que fuck Ariel Henry démissionné. Et si toutefois il n'est pas arrivé démissionné, le 7 février, il est capable de créer moyen. Pour que vous preniez, j'en ai au même yoblé. En dedans, on a maintenant tout côté était bloqué, l'école pas fonctionné, j'en ai ça lui-même était prévoit pour jeudi lundi, en banque pas fonctionné, vraiment, ça qui est le bureau l'État, il n'y a pas arrivé à ouvrir parce que en pile monde déjà fait connait qui trouvé en dedans manifestation yo et bien ça qui c'est désobéissance en civil quel que soit n'importe bureau l'état qui t'arrivé ouvrir c'est pillage que au même yo bail y a marché prend clé machine l'état y a prend clé remettre la police faut ni douane ni waf tout côté fermé et en dedans on la mettre c'est comme ça situation lui même l'itayé parce que au même yo a demandé départ Premier ministre Ariel Henry. Dans la ville, Jérémy Bagayo pas vraiment douce. En pile moun, de trois moun rive perdi la vie dans manifestation sa qui te gagné. Kote ke tout moun tap mande pour Ariel Henry démissionné. Gagné Mackenzie lui-même, la police en rive tiré sur yo. Et bien gagné Mackenzie qui gagné qui déjà fait voël pour payer sa chapeau dans cinq moun qui rive pour prendre balle ensemble avec l'éternel Raymond qui gagne 27 l'année et Jackson Doll qui gagne 25 l'année. Yo même qui la yo te gagné couru. l'hôpital et Saint-Antoine ensemble avec une ville Jérémy mais malgré ça yo même yo pas arrivé jeune chance à la vie yo arrivé fait voël pour payer sans chapeau et le deux moun yo vraiment grave et gravement grave jusqu'à présent à chance qui yo gen ti via mais yo apprend la soignaille en dedans l'hôpital Saint-Antoine en dedans Jérémy bagala compliqué yon nouveau cartel qui fait qu'on nommé dans pour mairie Jérémy semaine qui s'est passé a et bien pas arrivé installé malgré juge ça non lui-même il fait tout ça juge Simon qui fait tout ça qui dépend de lui recevoir prestation nouveau cartel là dans local dans commissariat Jérémy à cause des mouvements qui gagnent contre on sait des monde qui compte mouvement qui compte gouvernement en place là à cause et avec insécurité qui trouvait en dedans Mariani un groupe manifestant qui a opéré un groupe manifestant qui opposait tout à installation ça à installation nouveau cartel là en dedans Jérémy et bien gagnent obligé mettre des amis internautes dans entrée principale là paquet Jérémy jeudi lundi 22 janvier 2024 là et bien manifestant eux même yo fait qu'on les amis internautes yo prêt pour capable continuer fouler béton pour continuer goumer et lutter contre Ariel Henry de façon pour que lui-même soit capable racher mon cri baité à blanche pour que l'autre monde qui capable et bien diriger pays pour capable diriger là pour capable joindre un morceau sécurité et monde qui malade yo capable joindre un morceau la soin ayant yo l'autre côté amis internautes gagné premier responsable en l'église catholique dans monde là qui c'est Pape François après Zach kidnapping qui est fait sous sœur religieuse yo et bien dans rue du Chili ensemble avec Christophe, eh bien, depuis kidnapping ça, living fait, pas de monde qui tendait, et qui pas de monde qui tendait vraiment parler de sérieux, à l'exception de gang yo qui mandait 3 millions de dollars qui te coupé pour ouvert, pour qu'il soit capable de bailler, pour capable, eh bien, libérer otage yo. Eh bien, Papa François lui-même, lui mandait pour que toute l'école en général, congrégation, que ce soit sœurs et frères,
pour que vous-même, vous capable et bien fermer porte yo jusqu'à nouvel ordre. Et bien même Pape ça a demandé aux amis internautes pour que vous priez pour sur yo et pour que gang yo même tout yo capable libérer otage, libérer 8 moun yo, mais spécialement 6 sur yo qui trouvent yo dans congrégation, dans congrégation Saint-Anne dans Port-au-Prince. Yo l'autre côté, amis internautes, on a retourné la caille pa nou gagnent maintenant lui Maludol qui trouvait là en dedans Jérémie. Et bien monsieur juge en instruction ça qui la gué coucou rouge en derrière ancien sénateur Yuri la tortue yon façon pour que lui même li capable arrêter là après que lui même te fin mandé et après que il te fin et bien inviter pour que capable tendre là dans sa gain ah ouais ensemble avec Kanto Yuri le Abouloa lui même que la police t'est arrêté dans mois de mai année dans mois année qui s'est passé là et bien mandé pour que capable Yuri la tortue capable présenter pour que capable bailler certaines explications et de Abouloa lui-même qui c'est yon gang qui était bon côté là et qui était des dollars qui t'a balancé sécurité ben Yuri la tortue lui-même il pas décidé mettre pied il était boudé invitation invitation juge là bien juge là lui-même li lagué yon mandat d'amener derrière ancien sénateur Yuri la tortue yon façon que lui-même yon capable arrêter là et mandat ça tout qui déjà arrivé nan main DCPJ nan bureau li et bien pour que eux-mêmes yon capable arrêter ancien sénateur quel que soit n'importe côté yo joine Yuri la tortue. Yon lot dossier zami internaute, dossier kidnapping, dossier Kalejak et dossier viol, genyen yon jeune garçon qui se Wagner Luc 25 l'année li même qui rive viole yon timoun 3 ans. Si les gens, si moun sa, zami internaute, qui poukou même capable parler, eh bien, jeune garçon, li viole l, kote ke ti moun sa, li pa capable faire, li pa capable ni monter, ni descendre, eh bien, c'est nan commune Dame Marie, principalement en dedans l'embouchure, eh bien, ti moun qui en état de critique, qui pa capable faire un yen, qui pa même capable pipi, après intervention chirurgicale sa, y a gade pour comment ke, yo capable aider, si les gens sa, rive pipi, parce que si situation compliquée à chaque fois que pour le tapipi et ben c'est à yon série de piquage qui gagnait et non seulement ça tout pour façon que ti petit ali même li violé a et bien maman ni papa yo tout se men en tête en pile voisinage tout monde qui trouve yo en dedans commune Dame Marie yo par contre qui saint pour yo ta relé pour que ti petit ça t'est capable pour que parti ti petit là t'est capable guérir bien bonheur yon façon qu'il capable faire tout besoin qu'il gagne nan pati génitale li zami internaute. Yon l'autre côté jan ke tout moun konnen malgré nous connaissons jan situation insécurité alimentaire liée dans pays d'Haïti eh bien gagné en dedans Mariani jusqu'à présent c'est une tête chargée qui gagne machine pour que gens man capable circuler pour comment que moun qui gagne plus que 15 jours côté que yo camper ensemble avec marchandise sorti dans zone province pour rentrer dans Port-au-Prince et bien pour venir chercher la vie jusqu'à présent rien pas jamais dit la police pour que gens capable faire une intervention de quoi que pour que gang yo même capable ratiboiser et population hein, et moun qui trouvé madame Sarah yo capable et bien descendre avec marchandise là pour venir aider tête yo madame yo avec Mario et bien même problème ça qui pose en dedans Mariani en cause manger vin cher dans Port-au-Prince tout ça qui gagne et bien yo vin plus cher jusqu'à présent gen en pile moun qui fait comprendre madame mademoiselle et monsieur yo ap marché en pile pour comment capable joindre même petit sac du qui pipitia yo pas capable joindre parce que rien pas entré à cause de insécurité qui gagne principalement en dedans Mariani. L'autre côté, amis internautes, gagné au sous-plan international, gagné gouvernement État Floride là, DeSantis lui-même qui abandonné coussin pour quitter coussin pour ticket républicain hein, avant élection primaire non. New Yen Cheng. Yon l'autre côté, genye nan Moyen-Orient, situation toujours compliquée. Eh bien, en dedans Moyen-Orient, parce que chaque jour qui a passé, guerre Israël Hamas la lui-même, c'est ampleur que lui-même li apprend l'armée israélienne nan lui-même, li continue à opérer. On sait des gros bout de tonton opération qui même yon a fait. Eh bien, militaire israélien yon continue à craser moun en dedans Gaza.
gagner milliers de ça qui continue à faire gagner en dedans Gaza pendant situation humanitaire lui-même il a compliqué en dedans Gaza et ben c'est tant que militaire israélien yo a crasé tout le monde qui en dedans Gaza et déjà gagner israélien yo servante quel que soit n'importe quelle situation il faut yo même yo fini ensemble avec tout militant qui dans Gaza et tout autant qui ou pas fini guerre ça lui-même il pas jamais terminé parce que pour quantité moun ki militant Hamas yo même yo te kidnappé yo fourré en basel yo et bien jodi a faut que créer moyen pour capable et bien fini ensemble avec moun ki trouvé yo en dedans Gaza. Nous voulons parler de militant Hamas yo. Madame, mademoiselle et messieurs, c'est là nous mettez on fait ensemble avec journal nous pour jodi a pas bien moun ki t'a présenté au journal ça de comme ça avec VOA créole. C'est des amis ou Dieu chez Stalin n'a qui tout avec la voix de l'Amérique pour plus de détails. Haïtien, jeudi, c'est lundi 22 janvier 2024, ce premier soutien pour ce maintenant. Moi, c'est Jacqueline Bélizère, qui est un grand point cap dominé actualité. Moi, preso con dolore la notizia del rapimento ad Haiti di un gruppo di persone. Pape François a demandé libération 8 personnes parmi eux, 6 religieuses, qui ont kidnappé dans le pays d'Haïti. Toujours concernant le pays d'Haïti, 3 personnes mourues et plusieurs autres blessés dans la ville Jérémy, dans le département Grand'Anse. Actualité électorale là aux États-Unis, gouverneur État Floride Ron DeSantis a abandonné course pour ticket parti républicain avant élection primaire dans New Hampshire. Et puis, dans la région Moyen-Orient, l'armée israélienne continue opération militaire là contre Hamas pendant que situation humanitaire dans Gaza a vint plus grave chaque jour. Et c'est point ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans programme ça premier sorti nous pour ce maintenant. Eh bien, question kidnapping est toujours dans l'actualité. Il y a Pape Jean et Pape François Pito. Eh bien, depuis Vatican, mandé pour libération 8 personnes qui ont été kidnappées parmi eux, il y a 6 religieuses en Alouest à Pipré. Concernant l'actualité dans le pays d'Haïti, l'année 2024 a commencé, Jean 2023 a été fini dans les affaires politiques et insécurité. Oui, Zach kidnapping a continué. Pape François a demandé libération. Il y a un groupe 8 personnes parmi eux, 6 religieuses. Moi, apprenant avec douleur, kidnapping a un groupe moun en Haïti parmi eux, 6 religieuses. Pendant ma demande de libération rapide, ma prié pour harmonie sociale dans le pays. Moi, invité tout le monde pour camper sous violence qui la cause en pile souffrance dans le temps. Population chérie ça. Pape François a fait déclaration ça hier dimanche là depuis cité Vatican dans ce siège là approprié l'Angélus là. Oui gang yo pas chômé dans pays d'Haïti, y a goumé entre eux pendant y a simé la terre dans mitan population sorti Mariani en passant par Matissan pour arriver dans Cafoufeuille, c'est la rage, c'est la peine. Et puis près nous semaine qui se passait là, c'était Solino. Yon quartier dans la capitale la Port-au-Prince qui subit attaque éphraïque. Gang armé au côté yon mette du feu dans plusieurs cailles, tout le monde fait moun quitter la caillou. T'assemblé c'est yon attaque yon gang qui a opéré dans Belin qui t'a mené attaque malouk sa yon contre Solino. D'après directeur exécutif réseau national défense droit moun en Haïti, Pierre Espérance, t'a gen 20 moun qui t'a mouri. C'était même tension avec la Pérez dans quelques zones tout près, tant que Delma 4, Kafoupéa et Latrier. Et moun nan zone sa yo te mette barricade pour protéger yo. Nenel Dolmé, c'est un habitant Solino qui prend yon bal nan men pendant attaque sa yo. Si tan chita dimanche a 4 konya nèg ap tire en bas, voye bal nou pou. Ya chita la bon bel dia. Ya chita devant porte la kala nou chita. Yon bal nan kondisyon pou bal. Problème sa ki pa yo. Attaque ça a déroulé sans inquiétude alors que yo pas trop loin quelques commissariats police. Esther c'est un machin qui a expliqué douleur à la misère. C'est un monde qui achète un compromis pour faire un cadeau mouel qui fait un bon soulagement. Moi, je n'ai pas de bon soulagement. Je n'ai pas de bon soulagement. Je n'ai pas de bon. Année passée, Nations Unies ont estimé que Gangue occupait environ 80% de la capitale pendant qu'ils continuaient à plager le territoire dans l'autre partie de la région métropolitaine. Dans la politique, en pile attention braquée sous 7 février parce que le Premier ministre Ariel Henry te promet, dans la date ça, il te promet pouvoir bayon élu.
Pendant ce temps, pays a divisé sous affaire révolution, ancien sénateur élu grand dans cela, Guy Philippe Aproneya, en pile côté dit, y a marché à Cli, sorti Jérémy pour arriver Port-au-Prince en passant par Okaï. Révolution ça, moi dit, m'a vrai dit encore, faut nous croire là-dedans, faut nous croire, il va pas faire ça peuple là, il va pas faire ça nous, mais moi pour mettre nous même qui veut une bataille pour peuple là, nous même qui veut faire changement ça. Bataille que nous allons mener contre le système, contre le statut quo, il y a deux outils possibles. Ou les criminels qui vont venir à Haïti passer sous un trahison, ou bien nous passer sous l'eau. C'est comme ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons Haïti que nous voulons. Pendant que grand pile mouvement qui fait en faveur ancien sénateur Elia, comme ça, tout le monde qui dit, il y a pas de Philippe. Oui, ça qu'a fait là, son film. Son film qui montait depuis 2004. Film là, qui est-ce qu'il y a tel? Son bagaille, son compromis international. Film ça a fait contre Haïti. Pendant ce temps, dans affaire mission multinationale pour appui sécurité en Haïti, tout le monde attend dernière nouvelle qui a été pour sortir dans le pays Kenya qui a pris tête mission ça, alors que mise en place a fait d'après Madame Maria Isabel Salvador, qui est représentant secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et chef BINU. Et toujours dans le domaine insécurité, il y a trois personnes mortes et il y a plusieurs autres qui blessés dans Jérémy, dans le département Grandens. Mackinson Charles pral di nou dans quelles circonstances que ça arrivait. Trois personnes mortes et plusieurs blessés. C'est bilan un incident qui arrivait bien bonnet matin lundi 22 janvier 2024 là, dans la zone au bac qui trouvait l'entrée site ville Jérémy. Juge en tête tribunal de paix Jérémy, magistrat Jétro Dorilas, qui lui-même fait constat, confirmé effectivement. Il y a trois consentis. Matin là, nous avons fait 5 constats à l'hôpital là. C'était un citoyen qui s'est un policier, c'est M. Emilio, qui est venu chercher nous pour nous constater pour lui. Il y a un frère qui est touché par balle matin, son corps inerte. Là, nous avons l'autre cas, encore l'autre corps inerte. Et nous avons l'autre cas au bac. Et nous allons le déplacer pour nous faire notre constat. Quelques citoyens qui étaient présents dans l'hôpital 73 de Jérémy ont profité de parler avec VOA Creole sur l'incident. Ça. Pendant que le programme est en attente, on prend installation. Nous connaissons le peuple là-bas d'accord après l'élevé. Alors le peuple a relevé là, nous balbal. Ça nous dit, nous balbal. Moment ça dit que tu as implanté là. Commencez à dénoncer ça et je dis à vous montrer vraiment que c'est moi qui viens faire pour la population, c'est moi qui viens tuer. Nous disons, nous ne sommes pas capables encore, nous ne pas accepter et la paix de pied à terre pour nous dire, nous faisons carré goumé si vous pouvez tuer nous tous. Malgré tentative de faire bon côté autorité policière ou d'agredance, pour comprendre, puis bien incident qui arrivait matin lundi 22 janvier 2024 là, aucun responsable de la police Grandens là pour disposer par détail sur l'incident ça. Quittez nous rappeler pour vous, le dit matin 19 janvier 2024 là, côté c'est dans une grosse ambiance qui est content devant partisan Rio, nouveau délégué départemental Grandens là pour les Monts Michel, prêté serment et bien installé. Côté il était profité installer nouveau secrétaire général délégation hein, et descendre dans mairie installer nouveau cadre là après juge de paix Jean-David Simon et fin craser dans manifestants ont été et constaté du fait qu'il était flambé pour la principale mairie. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Creole. Actualité internationale a mené nous d'abord dans la région Moyen-Orient, côté l'armée Israël. Eh bien, il continue l'opération militaire là contre militants Hamasio. Pendant que, eh bien, dans Gaza, même situation, il était toujours compliqué avec une grosse crise humanitaire. Nous parlons mise à jour avec Gentil Augustin Junior.
Pendant la guerre a continué dans Gaza entre l'armée Israël là et groupe armé Hamas là, hier dimanche 21 janvier 2024 là, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté condition Hamas te présenté pour mettre fin dans la guerre et puis la guerre otage. Qui t'a gagné là-dedans? Retrait total l'armée Israël là et sorti Hamas dans pouvoir dans Gaza. Pendant ce temps, population civile là continue à souffrir malgré go diligence qu'a fait pour aide humanitaire entrer dans Gaza. Tant que ça, conseiller adjoint sécurité nationale États-Unis, John Feiner, te dit sous ABC semaine ça. Et puis, visite ministre défense la France là, jeudi lundi 22 janvier 2024 là dans Jérusalem. N'a continué la guerre sous tout côté, ak nan tout secteur yo. Nous pas bay aucun terroriste immunité, pas dans Gaza, pas dans pays Liban, pas dans pays Syrie ak aucun côté. N'importe moun qui essayait faire nous mal, nous pral faire li mal. Les États-Unis, Qatar et pays l'Égypte te négocié dans fin mois novembre 2023, nan yon accord qui te libéré plus passé 100 nan 240 otages yo te prend dans Gaza pendant yon attaque militant Hamas yo te fait nan date 7 octobre là. En échange, libération 240 Palestiniens qui te nan prison Israël. Phase qui pire sans dans la guerre te mené bataille là nan dernier coin enclave là. Kounyeya ki gen an pil moun mouri ak an pil moun ki kite kayo a koz bom yo. Nan 19e sommet mouvement peyi ki pa aligne yo, nan weekend sa nan Kampala, Uganda, sekretèr jeneral Nations Unies te di. People are dying not moun ap mouri non selman a koz bom ak bal, men tou a koz pa gen manje ak dlo prop. L'hôpital qui pague électricité ou soit médicaments. Et puis, voyage fatigant, ne cherche yon petit bout de temps pour yon sauver dans le combat. Yo. Ça doit suspendre. Sous bon côté parle, conseiller adjoint sécurité nationale États-Unis, John Feiner, te dit dans une interview dans ABC que nous jouons dans yon reportage VOA News. Yo te annoncé dans le jour qui s'est passé que yo ta pral permettre livraison farine dans yon port israélien dans Ashdod. Et puis, ensuite, voye yo nan Gaza. Sa yo se timezi. Men yo pa ase tout. Force israélien yo kap avanse bien fond nan l'ouest kan Yunis nan bataille ki pi sanglan nan Gaza nan nouvelle année ya, te serne l'hôpital Al-Hamal. Se sa kwa rouge palestinien yon te di jodi lundi 22 janvier ya. Ministère Santé Gaza Hamas a dirigé te dit 25105 Palestiniens en pile là-dedans yo ces femmes ak ti moun te mouri et 62681 blessés nan attaque l'armée Israël là depuis 7 octobre là. Les groupes Hamas la te touye 1200 moun ak pren 240 otages d'après autorité israélien yo. Gentil Augustin Junior Miami pour VOA Creole. N'a pas entré dans l'actualité électorale ici aux États-Unis. Deux candidats arrêtés dans la course pour nomination parti républicain après gouverneur Floride là, Ron DeSantis, lui-même l'écrasé ou quitté ça. Décision gouverneur Floride là, eh bien, c'est une surprise pour un pile monde, surtout que le défini deuxième dans le caucus Iowa semaine qui s'est passée là. Jean-Robert Philippe, dis-nous plus. I am today suspending my campaign. Gouverneur d'État Florida, Ron DeSantis, a abandonné sans attendre course pour nomination parti républicain dimanche 21 janvier, quelques jours avant l'élection primaire New Hampshire. Gouverneur a expliqué les raisons qui fait de suspendre la campagne là. If there was anything I could do to produce a favorable outcome, more campaign stuff, si il y a un bagage que moi j'étais capable de faire pour me joindre un résultat favorable, tant qu'on plus qu'un compte électoral, plus interview, moi t'a fait. Moi pas capable de demander supporter avec volonté mieux tout le temps yo avec offrir toutes les ressources que j'ai si me pas une victoire claire. Après tout constat ça yo, moi j'ai décidé de mettre fin dans la campagne là. L'éclair pour moi électeur primaire républicain yo voulait Donald Trump
une autre chance. Gouverneur de Saint-Denis qui dit la supporter ancien président Trump, t'es entré dans la campagne électorale 2024 là comme principal compétiteur ancien président, hein, après il était fin remporté une série de victoires législatives dans le premier mandat comme gouverneur d'État Floride. Cependant, la campagne là t'es fait face à toute une série de problèmes stratégiques, tant qu'on manque de support bon côté électoraux, pendant que ancien président Donald Trump lui-même t'a renforcé présence ligne dans la base républicaine. And we just got some word that one of our opponents, very capable person, is dropping out. Ancien président Donald Trump, qui a mené campagne dans New Hampshire dimanche 21 janvier, est venu bon parole pour dire en faveur du gouverneur. Avant de commencer à parler avec nous, moi, je voulais complimenter Ron DeSantis, bien sûr, Madame Nikki Cassidy, qui est un monde qui est formidable pour une grosse campagne qui mène pour post-président. Li mener une bonne campagne. Moi, je dis non, li pas facile. Je pense que c'est facile pour mener une campagne. Eh bien, je dis non, li pas facile. Décision de Santis prend pour abandonner Kousla arrivé deux jours avant l'élection primaire New Hampshire. Une décision qui quittait dans Kousla face à l'ancien président Donald Trump, ancien ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, qui allait. Ancien gouverneur Caroline du Sud là a traîné des anciens présidents avec un gros match. Démocrates n'ont pas participé à l'élection primaire New Hampshire. Ils ont choisi l'État Caroline du Sud plutôt pour la première élection primaire partie à cause de diversité électorale. Dans le caucus Iowa, qui se déroule sur une passée, le gouverneur DeSantis est fini en deuxième position avec 21% voix, pendant que l'ancien gouverneur Caroline du Sud, Nikki Haley, est fini en troisième position avec 19% voix. Ancien président Donald Trump est fini en première position avec 51% voix. Analyse politique, il fait qu'on est, il a obtenu le résultat de l'élection primaire New Hampshire, mardi 23 janvier, pour voir si l'électeur n'a pas bail une surprise. Pour un candidat à joindre nomination parti républicain, il doit joindre support une majorité 1215 délégués sur un total 2419 délégués. Candidat démocrate là, bon côté pas le besoin 1895 délégués engagés sur un total 3788 délégués engagés. Jovan Philippe, VOA Creole, Maryland. Donc, nous avons toujours dit pour rester branché sur toute plateforme VOA Creole pour capable de gagner toutes dernières nouvelles concernant l'actualité électorale là, ici aux États-Unis. L'autre point d'actualité, toujours concernant l'actualité ici aux États-Unis, ancien président Donald Trump était obligé de témoigner dans un cas de diffamation devant tribunal dans Manhattan, New York, pendant l'été en plein campagne pour joindre nomination li comme candidat parti républicain. Valerio Saint-Louis trouvé dans New York. Mr. President! C'est matin, jeudi lundi 22 janvier ça, que ancien président américain Donald Trump t'a quitté la caille dans Trump Tower Building là pour prendre route en direction tribunal fédéral Manhattan New York là, côté que li programmé pour t'a témoigner et répondre à accusation que madame Jean Carroll t'a porté contre lui dans un cas diffamation. Accusé à Donald Trump, t'es déjà condamné depuis l'année passée en 2023 pour payer madame Carroll l'argent compensation pour agression sexuelle. C'est la première fois que l'ancien président américain a gagné pour témoigner devant le tribunal public dans le dossier diffamation ça. Le jury qui formait de 9 personnes a obtenu preuve pour déterminer combien de cob que Donald Trump a dû payer Mme Carroll. Peut-être il était pas allé le mal, fait diffamation sous lui dans l'année 2019. Donald Trump a démenti que il a violé Mme dans la mi-temps année 1990 pendant qu'il a rencontré dans un champ magasin luxueux qui est le Bedford Goodman dans Manhattan. Trump t'est toujours démenti que pas de jambe t'ait gagné rien qui t'est arrivé vrai entre lui-même et madame Carroll. D'ailleurs, il dit que madame ça a pas style de femme ni. Et d'après lui, Carroll t'a fait accusation ça yo, une façon pour promouvoir la vente du nouveau livre que mamzelle t'a pral sorti le ça. Une jury différente et by l'ordre pour Donald Trump payer madame Carroll 5 millions de dollars. Trump a fait appel contre verdict ça. Et pour ce jeudi, a déroulé en bas supervision juge district américain Lewis Kaplan de Manhattan, qui c'est même juge ça qui était supervisé jugement avant. Si Donald Trump témoigne jeudi, il pral interdit pour contester décision juge Kaplan te prend et qui t'est déterminé qu'il t'est diffamé et puis fait abus sexuel contre madame Carroll. Juge là t'est déjà établi premier jugement ça. Pour jugement jeudi, c'est seulement combien l'argent Trump doit payer madame Carroll qui pral discuter. 6 ans cas, il est arrivé déterminer ça selon preuve qui pral présenter dans tribunal. Là, je dis. Pendant ce temps, Donald Trump espérait gagner course pour nomination li pour primaire républicaine dans l'État New Hampshire. Demain, m'a dit.
côté rivali Nikki Haley représentait dernier obstacle sous chemin nomination ça, surtout après retrait gouverneur Floride là Ron DeSantis. Mais jodi a devant tribunal là dans Manhattan en bas Fredia, te gen quelques monde qui était venu avec pancarte nan men yo pour protester contre ancien président pendant jugement. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Donc dans l'actualité électorale ici aux États-Unis, donc New Hampshire, c'est gros rendez-vous qui gagne pour demain Madia. Donc VOA Creole, comme d'habitude, dis-nous ça qui a passé l'autre bois. L'autre point d'actualité internationale, là, plusieurs milliers de citoyens argentins prennent la rue Buenos Aires hier dimanche là pour protester contre un phénomène réforme plutôt économique président Javier Milei proposé. Marie-Luce Pierre, gain détail. Président Équateur Daniel Noboa dit vendredi qu'il s'est passé à trafic drogue, c'est un problème régional et gouvernement en Amérique latine doit unir pour mener lutte ça contre phénomène cela. Président Daniel Noboa. Je crois que la région a dejado que este problema crezca de una manera Moi, pense que la région, ce n'est pas Colombie pour compte qui peut mettre problème ça. Le problème trafic la grandit d'une façon incontrôlable. Nous devons rester ensemble pour nous combattre. C'est un problème non seulement régional, mais tout mondial. Consommation produit, ça est fait ni dans les États-Unis, ni en Europe. Pendant une interview de Boa Tebaï, Média Colombie, il dit que le pays a dû chercher à extrader prisonniers étrangers dans la prison Équateur. Président Noboa. Existe un convenio ya antiguo en el cual pues hay intercambio pues de Te gen yon ansyen entente sou echange prisonye an peyi yo. Lwa nou yo di yon prisonye etranje avèk yon santan 5 an prison ou bien plus ka retounen nan peyi li. Nou gen yon debodman plus pase 3000 moun nan prison nou yo. Jodi a, malgré le fèt ke nou pa ka jere kantite prisonye nou gen yo, comme une nation, nous dépenser en pile l'argent tout nos prisonniers étrangers parce que ça nous utiliser pour bâtir une école de déjeuner. Autorité argentine qui aime madame avec petit fugitif trafic en drogue, il y aurait José Adolfo Macias et il a été déporté au bien bonheur vendredi passé à dans Guayaquil. Macias alias Fito te disparaître dans date 7 janvier passé dans une prison dans pays Équateur côté il t'a pris une sentence 34 ans prison pour divers crimes il t'a commis parmi eux trafic de drogue et assassinat. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Donc vous c'était actualité dans pays Équateur pendant ce temps Javier Milei nouveau président argentinien l'a fait face à quelques difficultés il saute dans Davos dans pays la Suisse et il retourne la Cali. L'autre point d'actualité et ben après dans pays la France qui gagne un nouveau et premier ministre remaniement cabinet ministériel mais qui ça toute décision ça yo gagne pour yo avec communauté haïtienne nan. Nous gagne sous place dans ville Paris dans pays la France journaliste Edouard Franklin Jedems. L'extrême droite, c'est le rejet des étrangers par principe, parce qu'ils sont étrangers. Gros remaniement en dans le gouvernement français. Après un an, 8 mois, Elisabeth Borne, première ministre française, est tombée. Elle est remplacée par un jeune premier ministre de 34 ans, qui c'est Gabriel Attal. Président français, Emmanuel Macron, lui profite de tomber gouvernement ça pour qu'il soit capable de porter de nouvelles réformes. Mais qui impacte nouvelles réformes ça sur la France tout entière, sur différentes communautés qui vivent en France, sur la communauté haïtienne de France là. On nous jette un coup d'œil sur la réforme ça. Instruction civique dans l'école, l'heure pour le doubler à partir de l'année ça, même 2024 là. Tout le monde qui peut rentrer dans le collège a obligé de faire théâtre dans le pays la France. Éducation a tourné avec question histoire et l'art, ni dans le collège, ni dans le lycée, à partir des années ça même. Augmentation de 50 centimes sous prix en pile médicaments. En pile médecin tout, pour joindre régularisation en France. Quand si moun yo a passé sous téléphone portable avec sous tablette, pour limiter. Uniforme pour tout si moun dans toute l'école, avec graduation chaque année tout, pour venir obligation. De cette action, rendre au fond la France plus forte et plus juste. C'est ça le combat des prochaines années et au-delà dans lequel nous devons conduire la France pour les décennies qui viennent. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire. Le sens profond du respect et de l'engagement. Et cela dès l'enfance.
Comment un peu moun nan communauté haïtienne nan wè réforme sa yo? Gen ki positif, gen ki négatif. Moi personnellement, je trouve qu'il y en a qui sont très positifs, il y en a qui sont négatifs. Donc réforme nan yi très important pour moi cause par exemple même l'école. Tu gen uniforme, là tu vois c'est ton belle petite jeune demoiselle qui t'a voir l'école, tu fait différence entre un monde qui va à l'école et un monde qui dans la vie de nos enfants courante, c'est-à-dire un monde qui va à l'école de nos jours, parce qu'il faut vraiment faire différence là. Donc et ceci dit, il est important aussi pour parents aussi. Je pense que c'est un bon bagage parce que m'a imaginé même tes jeunes bra l'école ou un petit monde avec uniforme son belle bagaille lié l'autre qui identifie un monde qui prend le travail avec un monde qui pas prend le travail mais qu'on est avec uniforme vous pensez que ou gain un route que va suivre ou un match que va suivre c'est plus important. Dès qu'on parle de réforme toujours gain monde qui pour toujours gain monde qui contre n'a mettez yeux nous avec oreilles nous en observation pour que nous capable suivre résultat nouvelle réforme ça yo. James Franklin Edouard depuis la ville lumière Paris pour la Voix de l'Amérique, Créole. Merci, Jedems. Dans Chicago, État Illinois, communauté haïtienne a été connectée à Radio La Différence, qui gagne plusieurs années depuis la paix communauté à service. Journaliste Obed Lamy a parlé à responsable radio en parlant de Jeanville Joseph. Communauté haïtienne qui est dans la zone de Chicago a une possibilité pour être connecté à chaque pays grâce à une station radio. Haïti, aussi belle musique de Tabou Congo qui est un petit placard qu'on a écouté sur radio, la différence, la seule qui fait toujours la différence. Avec vous, Mr. Men, bien sûr, ça c'est l'émission pour la même, Mr. Men là. Jeanville Joseph, animateur ça qui est derrière micro, c'est même lui-même tout qui est derrière projet radio ça. Il est débarqué à Chicago tout jeune dans l'année 1988. Et puis il était choisi faire métier ingénieur informatique. Quelque temps plus tard, il était venu faire connaissance avec le domaine radio comme si c'est destin qui était vrai ça. Moi même personnellement, pas connais de gros talent pour faire radio même. Mais il y a d'autres émissions de radio qui étaient dans la communauté déjà et puis monsieur était toujours qu'on a dit pourquoi ça pas faut passer dans la radio, pourquoi ça pas faire dans la radio et puis on l'aime de passer dans une émission et puis par contre on aime de participer et puis peuple en gagne pas connaissez voir le terrain mais on bien pas connaît de faire un commentaire et puis yo te yo même après les radios pour demander qui est ça et puis c'est de là étant feedback positif ça yo t'ai fait Jeanville prendre goût tout bon n'a parlé sous les ondes c'est comme ça il était collé tête avec trois autres amis haïtiens pour créer propre émission pa yo émission ça a commencé en 2008 et puis kounya la nous vinn perdre monsieur gain qui était gain calan Floride gain qui était Chicago et puis moi vinn rester pour compte moi et puis nous vinn transformer en station de radio, Radio La Différence. Ouais. En réalité, Radio La Différence, c'est une radio digitale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fréquence AM ni FM, mais il est disponible plutôt sur Internet. Jeanville a quelques détails sur la programmation radio. Pour le moment, il est plus culturel. Et à savoir, côté que nous plus parler de la culture, de la musique haïtienne, que moi-même personnellement, c'est le genre d'émission que je fais. Mais alors, on a fait début. Jeanville explique tout. Radio a gagné une émission évangélique. Les combats nouvelles sur ce qui a passé Haïti, à Crest, Mondelin, et puis faciliter la communication dans la communauté. Nous avons toujours eu chance tout pour utiliser le micro, la radio, la différence pour passer un message. Que ce soit n'importe message, que ce soit son un message funéraire ou bien n'importe ça lié. Donc, radio, la différence, moi, considère que c'est une station de radio communautaire. Après plus de 15 ans d'existence, Radio La Différence pour placer tout bon vrai dans le cœur et dans les oreilles de la communauté haïtienne. Mais qu'on y a, Jeanville sentit une nécessité pour faire place pour son neuf à l'idée fraîche. Nous avons aussi avec d'autres programmations tout, pour commencer à me donner et permettre que la jeunesse tout rentre dans le cadre blanc, bien que je suis toujours campé là comme monde qui a une expérience là, comme Simbadjou qui commence le mouvement pour aider eux, même parce que c'est élargi. Donc pour moi, répondre en un mot, c'est élargi et la radio en fait grandir plus, faire plus de monde entendre, faire plus de monde connaître ce qu'on fait dans la Chicago. Vous êtes l'ami de Chicago, pouvez-vous accueillir. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. On a rappelé que gagnait pape François qui c'est souverain pontife l'Église catholique qui mandait
pour yo libérer 8 moun que yo kidnappé parmi yo gen 6 religieuses là-dedans gen 3 moun qui blessé qui mouri plutôt dans ville Jérémie dans département et Grandance. Et puis gon nouvelle qui fait tomber là c'est que Cour suprême les États-Unis dans un vote qui très serré 54 côté que yo décidé pour permettre agent fédéral retirer ça ou les barbelés que eh ben gouverneur état Texas là et Greg Abbott t'est passé l'ordre pour te mettre sous et frontière États-Unis partagée avec Mexique là c'est un sujet qui toujours eh ben créé une pomme de discorde entre la Maison Blanche avec républicain dans Congrès. Nous pratiquement arrivé dans fin programme là, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir au fond dit que nous gon paquet de journalistes, nous pas attendre Machado, nous pas attendre Renan Toussaint, nous pas attendre Yves Manuel, nous pas attendre Maxino, nous pas attendre Junior Racine, eh ben yo trouvé dans formation et dans Miami état Floride. Donc et nous même nous obligé à travailler sur actualité internationale, sur actualité dans pays d'Haïti et nous dit au bon séjour. Il y a gain pour parler avec nous pendant période ça. Pendant ce temps tout gain chef service là, Sandra Lemaire qui trouvait l'autre bois, eh ben l'a travaille sérieusement et puis comme d'habitude et puis nous dit bon retour à gentil Augustin Junior qui était en vacances qui tournait vinn joindre nous bien que le pokona kaila parce que li est l'autre bois. Et ben nous dit Fred Kaimit merci. Merci pour attention, merci pour fidélité. Nous moi c'est Jacques Mendez. Bonsoir et à demain.